réchauffer le plat de côte. Donc je vais le déconditionner avant de le passer bien sûr à la plancha. Donc je retire le jus. Donc on voit qu'il est bien bien cuit, hein, il commence à s'effilocher. Donc faut faire attention, c'est très chaud. Hein. J'ai réchauffé ma viande à 80 degrés. Voilà, donc on va la laisser s'égoutter et après on va la griller un peu sur la plancha et après on la dégustera. Donc dans la grande casserole, je vais faire la purée de patates douces. Ici, dans la petite, j'ai mis ma sauce grill, ma sauce tomate grill à réchauffer. Donc là, je vais mettre une belle noix de beurre. Là, je vais mettre une pointe d'ail. Je vais donc mettre les pommes de terre douces donc, que j'ai cuit sous vide à 85 degrés, environ une heure. Donc elles sont parfaitement cuites, hein, s'écrasent. Donc moi, ce que j'aime bien retrouver dans la purée de patates douces, c'est des petits morceaux de pommes de terre. Donc je ne vais pas non plus l'écraser trop finement. Voilà, la sauce grill va bientôt être chaude. Donc là, on va baisser un peu le côté de la plancha, on va remonter l'autre. On va mettre un peu de basilic haché dans la purée de patates douces. Ça, c'est une chose que j'adore. Voilà, je l'ai ciselé un peu grossièrement. Le but du jeu, c'est que ça parfume. On va laisser compoter 2 secondes sur le bord de la plancha. Donc notre bœuf, il est bien bien cuit. Donc quand vous avez une viande comme ceci qui est bien cuite, donc qui a perdu un peu son collagène, moi ce que je vous recommande, c'est d'utiliser du papier cuisson parce que ça risque d'écrocher. Alors on huile un peu en dessous pour que la feuille de cuisson adhère dessus. Notre plat de côte qui est super cuit, le paneron. Donc le but de ce passage à la plancha, c'est de lui redonner un petit peu de couleur et un petit peu de croustillant. Donc je vais retirer la sauce. La purée de patates douces. Alors, l'écrasé de pommes de terre douces.
Donc là, il s'effrite. C'est tout à fait normal. Il a vraiment été cuit plus d'une vingtaine d'heures. Donc à une température élevée. Je pense qu'on aurait peut-être pu... j'ai fait 80 degrés. On aurait peut-être pu utiliser un petit peu moins, 75 peut-être. Donc le but recherché, c'était vraiment d'avoir une viande très qui s'effiloche comme du pulled pork, mais avec du bœuf, donc du pulled beef. Le plat de côte. Donc là, l'os se décolle complètement. C'est toujours délicat de couper une viande qui est très bien cuite. Voilà, et on va essayer de déguster cette viande. Donc avec la petite sauce tomate qui va aller bien. Donc on va commencer par le plat de côte. Alors moi j'aime bien le plat de côte parce que c'est toujours un morceau qui est un peu gras. Il manquerait même un tout petit peu de sel. Oh, c'est super. On a l'impression de manger du pot-au-feu, mais avec toutes les saveurs qui sont concentrées. C'est-à-dire le fait de le cuire sous vide, comme ça, dans une poche. Toutes les saveurs sont concentrées. On sent bien le bœuf. On sent un petit peu le rub que j'avais mis au départ, mais qui finalement, c'est bien équilibré, quoi. Il domine pas. Le paleron, maintenant, on va le goûter nature. Alors, on pourrait croire que c'est sec, mais c'est très, très moelleux. Donc, le nerf au centre, vous avez vu, il a presque disparu. Il s'est, comment dirais-je, il s'est liquéfié, hein, vous voyez. Avec ma fourchette, je pourrais même presque le manger comme ça, la cuillère. Donc ce que j'ai recherché un peu dans cette recette, c'est de faire un peu comme le gigot de 7 heures, c'est-à-dire avoir une viande très très cuite et qui se déguste comme ça, avec la petite sauce tomate, c'est génial. Ce bœuf, donc, on peut l'utiliser comme je viens de le faire là, et le déguster avec une petite sauce. Alors là, c'est une sauce... tomate grill, mais on pourrait également mettre une sauce tartare, une sauce au réfort, des tas d'autres sauces. On pourrait également l'effilocher, hein, vous voyez, il s'effrite très facilement, hein, donc on pourrait faire du pulled beef, du bœuf effiloché, donc, et pourquoi pas faire des sandwichs, des burgers avec cette viande. Ou une salade, éventuellement, bien évidemment. Donc moi, franchement, je trouve que c'est une belle expérience. Qui demande un peu de cuisson, donc à peu près une vingtaine d'heures. La température, 80 degrés. Peut-être un petit peu moins, peut-être 78. Je mange avec beaucoup de plaisir. La petite sauce tomate qui va bien avec. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de mettre un pouce, de vous abonner à Chefounet TV si vous ne l'êtes pas, et à bientôt sur les réseaux.